Norman Brathwaite, fait plaisir de vous voir ce soir au gala. Merci beaucoup. Surtout pour gagner un prix au nom de Belle et Bum, partenaire en musique, parce que, écoute, 20 ans à faire rayonner les artistes de tout genre, de diversité incroyable, les artistes hommes, femmes, de toutes les races, c'est quelque chose, je pense, que toi, dans ta carrière, c'est une des choses qui te tient le plus à cœur, j'ai l'impression. Ça, moi, je trouve que ça ne fait comme même pas partie de ma carrière, tellement que c'est un côté plaisir. C'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé faire de la musique. Et je suis tellement chanceux d'avoir... Bien, premièrement, faire une émission qui dure 20 ans, c'est assez rare. Et surtout, d'être renouvelé après 20 ans, ça fait vraiment plaisir. Et il n'y a rien que je trouve plus plaisant que de découvrir en même temps que le public quelqu'un. Ça me fait capoter. Et ce prix-là, il est remis. C'est pas pour rien que ça s'appelle partenaire en musique. C'est que on le donne à des organisations ou des émissions qui ont à cœur le fait de rétribuer de façon équitable, de façon honnête, les auteurs, les compositeurs. Et ça, je pense que Belle et Bum a toujours été... un exemple à suivre dans ce sens-là. Bien, c'est le mandat de l'émission, dans le sens que il y a de la musique un peu partout à la télévision, mais nous, le but premier, c'est la musique. La musique n'arrive pas en complément de d'autres choses. Pardon, c'est une émission de musique qui est là pour, puis le public a toujours été là, une émission de musique qui est là pour les amateurs de musique. Alors, qu'on ait n'importe qui, nos codes d'écoute restent toujours pareils parce que les gens, ils sont des fidèles et puis ils se mettent dans le mode découvrir. Et ce que les gens me disent tout le temps, merci à votre émission Belle et Bum, vous nous faites découvrir des gens. Alors, quand le public te dit quelque chose, il faut que tu ouvres les oreilles pour comprendre que c'est ça. Dans les dernières années, à la télévision, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de place pour les performances musicales. On donne parfois la raison que « Oui, mais ça coûte trop cher, les droits, puis tout ça. » Je veux dire, vous n'avez jamais eu ce problème-là à Belle et Bum? Hein? Vous n'avez jamais eu ce problème-là à Belle et Bum? Mais ça coûte trop cher. On s'organise. On travaille vite. Les musiciens, musiciennes sont exceptionnels. Et ça dépend où tu veux mettre l'argent dans la vie. Si tu dis « Ça coûte trop cher », mais bref, Belle et Bum est la preuve vivante que les gens... aime ça, le public est là. Alors, nous, on décide de mettre l'argent, non pas sur des jeux ou des choses comme ça. On s'est dit, puis mes amis animateurs, animatrices, que ce soit Véronique Cloutier, ils sont les premiers à dire que c'est important une émission comme Belle et Bum. Parce que certaines émissions, c'est pas juste ça le mandat. Il y a de la musique, mais nous, notre mandat est très clair. On fait de la musique. Puis on parle le moins possible. Et ça a été un rendez-vous pendant 20 ans. On espère qu'il y en aura d'autres des années comme ça, parce qu'on a besoin de ça, je pense, à la télévision. Bien, là, je suis renouvelé. Fait que... C'est bon. On prend une année à la fois. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.